Hey, Matelot ici Defro et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur une mini maison sur Minecraft. Et cette fois-ci du coup comme tu le sais à chaque fois, à chaque début d'épisode, on va se retrouver pour la donation des maisons aux abonnés qui ont mis des commentaires lors des dernières vidéos. Parce que oui, à chaque vidéo que je fais, à chaque maison que je fais, je les donne après lors de la vidéo suivante. Et cette fois-ci, du coup, cette grosse maison qu'on avait fait la dernière fois, elle a été gagnée par l'un d'entre vous qui a répondu à la question que j'avais posée à la fin des épisodes. Parce que je pose des questions dorénavant à la fin de chaque vidéo. Et ceux qui répondent en premier gagnent la maison de la vidéo en question. Et donc, du coup, cette fois-ci, ça a été... Alors, ça a été Layrox. GG à toi pour avoir répondu vraiment le plus vite à la question, du coup, que j'avais posée lors de la dernière vidéo. Et je vais aussi donner, tant qu'à faire, les deux maisons qui sont ici. Voilà, parce que je ne les avais pas données la dernière fois. Hop, la petite maison du coup. Ici, elle a été gagnée par Sageo Kid Drawing. Merci beaucoup à lui, parce qu'il a commenté pas mal de fois lors des dernières vidéos. Et donc, du coup, c'est une récompense de ta fidélité. Merci beaucoup à toi. Et la deuxième maison, elle a été donnée à une petite histoire sympatoche que j'ai trouvée dans les commentaires, à Abdul et Jad Kantar. Merci beaucoup à vous deux. En fait, c'est un père et son fils, voilà, j'ai trouvé ça mignon, donc merci à vous deux, je vous la donne, cette maison. Du coup, et aujourd'hui, en parlant de mini-maison, on va faire celle-là, on va faire cette petite maison-là. Vous voyez, j'ai fait un petit quartier avec des mini-maisons, et cette fois-ci, on va faire cette maison-là, toute petite, qui fait 15 blocs de long sur 10 de large, et je vous retrouve tout de suite pour la construction de cette petite maison. Alors, comme je le disais, du coup, on va faire une maison de 15 blocs par 10 de long, plutôt l'inverse. Alors, on va commencer par utiliser des pierres, ici, comme ça, tu vois, et on va en mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Puis 15 dans l'autre sens, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok. Bon, on complète le tour du machin, hop, ah oui, alors faut que j'active mon truc pour cliquer au loin, hop, voilà, c'est un mode hein, qui permet de cliquer plus loin. Alors, une fois qu'on a ça, du coup, l'idée c'est que je vais remplir l'intérieur avec des planches de chêne. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va prendre du béton blanc, d'accord. On va venir en mettre une ligne de béton du coup, hop, ici là, sur l'un des côtés de la maison. On va monter ce mur là à 4 blocs de hauteur, d'accord. Hop, jusque là. On va venir partir de ce bloc là, on va venir vers l'arrière et on va laisser juste, hop, un bloc, vous voyez, de marge par rapport au bout ici, d'accord. On complète du coup tout le mur jusque là, voilà. Et une fois qu'on a ça, du coup, on va venir utiliser cette ligne là de bloc et on va venir monter à 1, 2, 3, 4 blocs encore au-dessus, ok. Voilà, donc on fait ça sur la ligne ici, hop. Et une fois qu'on a ça, du coup, on va venir utiliser cette ligne là de bloc et on va venir la prolonger dans ce sens là, d'accord. L'idée c'est qu'on va laisser deux blocs de marge par rapport au bout de la maison, c'est-à-dire qu'on va venir prendre nos blocs de pierre ici, vous voyez, on va regarder où est-ce qu'on en est par rapport à notre ligne ici de blocs, et on va laisser deux blocs en plus, d'accord. L'idée du coup maintenant c'est qu'on va boucher tout, hop, le reste comme ça de la maison, hop, voilà, donc toute cette surface là, hein. Hop, alors une fois qu'on a ça du coup, on va venir mettre une partie à l'autre côté de la maison, c'est-à-dire qu'on va utiliser du bois de sapin comme ça, on va venir mettre une ligne comme ça de blocs au niveau du sol en laissant un bloc de marge de planche de chaque côté ici comme ça. On va venir monter ce mur là sur toute la longueur de notre partie en béton et laisser juste un bloc au-dessus encore, ok. L'idée maintenant du coup, on va combler ce mur là, comme ça du coup. On va venir mettre une fenêtre à l'intérieur, l'idée c'est qu'on va laisser deux blocs de marge en haut, enfin en bas, et en haut aussi du coup, hop, ici comme ça, et tout l'intérieur ici, on l'enlève, ok. Donc deux blocs de chaque côté, voilà. L'idée du coup, bah, c'est qu'évidemment cette partie-là de la maison, on va l'enlever aussi, hein, sauf le plancher. Tant qu'à faire, c'est mieux pour marcher dessus. Hop, voilà, on enlève ces parties-là pour faire une fenêtre en fait, hein, tout simplement.
Ok, on va reprendre nos blocs de bois et on va venir sur le dessus en fait de la maison et on va en mettre 1, 2, 3, 4 ici sur la longueur. Hop, donc la même chose ici. Voilà. Ok, donc cette idée là c'est qu'on va venir mettre 4 blocs ici en dessous aussi. Voilà, pour faire des murs à l'intérieur de la maison. Hop. Voilà, la même chose en dessous. On va mettre 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Hop, voilà. Alors, une fois qu'on a ça, du coup, maintenant, c'est qu'on va mettre un mur de ce côté-ci, en fait, de la maison. Donc, on va s'aligner avec les autres d'en face. Et on va mettre un mur ici, comme ça, ok? Cette ligne comme ça de blocs, on va la monter jusqu'au plafond. Hop. Et ça nous fait notre premier mur finalement de la maison. Alors une fois qu'on a ça, maintenant on va utiliser les barrières de bois parce que comme ça, ça sera utilisé. Et on va venir les mettre en dessous de cette ligne comme ça de blocs. On va compter un. Donc on va laisser juste un bloc à ce niveau-là. On en met un derrière. On va laisser deux blocs. On en met un. On laisse deux blocs. On en met un. Ok. On met les barrières jusqu'au sol. Hop, comme ça. Voilà. Hop. Alors, du coup, voilà ce que ça donne. C'est plutôt stylé. On voit vraiment que la forme de la maison commence à se faire voir, finalement. Alors, maintenant, on va utiliser, du coup, les escaliers en quartz. Ok. Ici, comme ça. Et on va venir mettre l'escalier pour monter à l'étage. Donc, on va au sol. On fait un trou de deux blocs, ici, comme ça. Ok, on met des escaliers ici, paf. Alors normalement il faut monter tout jusqu'au plafond, hop, hop. Et on laisse une ouverture pour pouvoir passer. Ok, donc on fait un escalier de deux blocs de large comme ça, d'accord. Alors oui, à l'arrière de l'escalier, on met des escaliers à l'envers pour que ça soit plus fluide, plus joli à l'œil. L'idée étant que, évidemment, on va laisser juste une ligne comme ça de bloc entre le bord du mur et le trou pour l'escalier. Voilà, faut vraiment trouver un juste milieu, comme la maison n'est pas large, faut bien trouver une place. Alors ici, l'idée du coup, c'est que, vous voyez, notre mur à ce niveau-là, on va le changer et on va mettre du bois à la place. Alors, je redescends au premier étage. Hop, comme ça. Et ici, hop. Alors du coup, maintenant, vous voyez, on a une pièce à ce niveau-là. Et on aura une pièce aussi, du coup, à ce niveau-là, dans la maison. Donc, ça permet de gérer l'espace aussi directement, ce qui est plutôt cool. Alors, une fois qu'on a ça dit, du coup, l'idée, on va finir le premier étage quand même. On va utiliser les pierres ici. On va remplacer ce bloc-là par de la pierre et on va remplacer ces blocs de bois par de l'herbe. Ok, ça va nous permettre de faire pousser des trucs. Ici, du coup, on va réarranger tout ça. Alors, l'idée, on va reprendre notre pierre, on va enlever cette ligne-là. On va en mettre un bloc ici. Cette ligne-là de bois, on l'enlève et on va rajouter des dalles de bois ici à la place. Ici comme ça, ok. Voilà, hop, j'enlève ça vite fait, c'est plus joli. Une fois qu'on a ça, on va utiliser du coup les vitres comme ça, hop, et on va les mettre ici comme ça. On va laisser un espace ici, hop, paf, paf, paf. Allez, hop, paf, paf, paf. Ok, voilà. Alors ça, du coup, ça permet d'avoir une baie vitrée plus une ouverture à ce niveau-là pour pouvoir avoir une porte d'entrée. On va la symboliser avec des vitres qu'on va mettre ici, comme ça on aura une porte un peu plus, enfin un passage un peu plus voyant. Et donc voilà, ça sera l'entrée, et là ça sera voilà la baie vitrée de l'entrée. On va mettre, hop, alors une vitre à ce niveau-là ici, ok, donc dans le prolongement du mur à ce niveau-là. Pouf, pouf, pouf. Hop, ici, ok, comme ça. Alors, une fois qu'on a ça, à l'arrière du coup, on va venir utiliser les pierres. On va enlever les dalles, les morceaux de bois qu'il y a en dessous des vitres. On va venir les remplacer par des pierres. Et la ligne ici de bois, ok, on va la remplacer par de l'herbe encore une fois, évidemment. Hop, ici comme ça.
On va venir utiliser les vitres du coup ici sur voilà, tout ce mur là, ainsi que à ce niveau là, donc au-dessus du trou des escaliers. Hop, voilà, on bouge tout ça. Voilà un peu l'idée. Maintenant du coup, bah, la maison est finie, il ne nous reste plus qu'à faire les finitions finalement. Alors, on va utiliser des fleurs, tant qu'à faire, parce qu'on aime les fleurs. Alors, hop, les pivoines, parce qu'avec mon pack de texture, ça passe bien. On va utiliser des panneaux solaires. C'est la base, hein, la base. Maison moderne, panneaux solaires, ça va ensemble. Et des feuilles, parce qu'on aime les feuilles. Alors, pivoine, du coup, on va mettre 3 pivoines ici. Alors, pour donner de la couleur, en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec la maison, elle est bois et blanc en termes de couleur. Et donc, du coup, pivoine comme ça, rose, ça permet de mettre vraiment une grosse tache de couleur bien pétant en plein milieu. Ça fait juste un petit point sur le côté de la maison. Ça fait un peu comme une ponctuation, vous voyez. Alors, j'avais pas mis de vitre ici. Voilà. Donc, une petite ponctuation de couleur ici et là. À l'arrière, ici, on rajoute. Voilà. Sur le dessus du toit, du coup, on va ici mettre des panneaux solaires. Polo derrière, du coup. Voilà, un panneau solaire. Hop, des feuilles un peu disposées de manière aléatoire. Hop, voilà. On dispose une petite feuille ici aussi. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Me semble-t-il qu'on est bon. C'était une petite maison qui est rapide à faire de toute façon, donc il n'y a pas grand-chose à rajouter, je pense. Voilà, c'était la première des petites maisons que j'ai faites. Je pense que je vais alterner une grosse maison, une petite, une grosse, une petite. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et le premier qui répondra à cette question-là gagnera cette maison lors de la prochaine vidéo. Oh, voilà, comme ça, c'est fait. Alors, du coup, je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine!